Salut tout le monde, c'est Cédric d'Informatique Facile. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, l'explorateur Windows garde en mémoire la totalité de vos recherches. Il nous suffit de taper une seule lettre pour s'en rendre compte. Hein. Par nous-mêmes, on va aller voir ça. Ici, moi je vais faire F. Et voilà. Voilà. Tout ce que l'on a fait est enregistré dans l'explorateur Windows. Donc bon, ça peut être dérangeant pour deux raisons. Voilà. Premièrement, ça occupe inutilement de la place sur votre PC. Deuxièmement, il se peut que vos recherches, vous voulez les garder pour vous, que personne d'autre ne sache ce que vous avez recherché. Heureusement, je suis là. Je vais vous montrer une petite astuce qui empêchera Windows de mettre en mémoire vos recherches et les supprimera celles qui existent déjà. Alors, pour commencer, vous allez faire améliorer. Et dans la barre de recherche en bas, vous allez taper Reddit. Vous faites Entrée. Vous allez avoir un contrôle de compte utilisateur. Vous cliquez Oui. Et voilà, ça va ouvrir votre Reddit. Alors, bon, je vais réduire tout ça. Voilà. Et nous allons déployer la clé htcurrentUser. Voilà. Nous allons ensuite aller chercher la clé software que nous allons déployer. Ensuite, nous allons chercher la clé policy que nous allons déployer elle aussi. Voilà. Microsoft, donc qui est ici, que nous allons déployer, et Windows, qui est ici, que nous allons déployer. Donc nous allons sélectionner ici, Windows, nous allons faire droit, voilà, nouveau, clé, et on va nommer la clé Explorer. Alors attention, respectez bien les majuscules. Donc, E majuscule XPLORER Explorer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors vous sélectionnez cette clé, vous faites un clic droit, vous faites nouveau et valeur des words 32 bits. Voilà, vous avez une valeur qui s'est ajoutée ici et vous allez la nommer. Alors, Disney Search Box Suggesting. Alors, attention, pareil ici, respectez les majuscules et pas d'espace entre les mots. Alors, Disney de majuscules I-S-A-D-N-E Search S majuscule E-A-R-C-H Box B majuscule pour X et suggestion S majuscule U de J de S T I O N S. Voilà. Et vous cliquez à côté pour enregistrer le mot. Voilà. Donc ensuite, on va double-cliquer sur cette valeur que l'on vient de mettre. Voilà, ça va nous ouvrir une petite fenêtre. Et à la place de données de valeur, on va mettre 1. On va cliquer sur OK. Et voilà. Maintenant, vous pouvez fermer le Reddit. Vous fermez tout. Et au prochain reboot du PC, la mémoire de l'explorateur sera vidée. Et plus aucun mot-clé ne sera mis en mémoire. On se sent pas mieux, hein? Moi, je vous le dis. Toujours mieux quand il y a moins de place utilisée dans l'ordinateur. Voilà, sur ce, la petite astuce est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le pouce vert. Si tu n'as pas aimé, tu cliques sur le pouce rouge. Tu peux aussi laisser un commentaire et tu peux aussi t'abonner. Ça me fera toujours plaisir et ça va me motiver à continuer. Allez,
Ciao tout le monde.